Aujourd'hui, on va faire un petit projet qui va consister à tailler les dents sur un engrenage, donc sur ma fraiseuse Schaublin. Donc, on va commencer par monter les pièces nécessaires, à savoir l'arbre ainsi que la fraise. Et voilà, donc on va faire ça ensemble. Alors pour monter l'arbre porte-fraise qui va venir se fixer ici, je dois avancer la tête, ce qui va me permettre d'accéder à l'écrou de serrage qui se trouve ici. Partout. Vitesse minimale, comme ça mon arbre ne tombe plus quand je le serre. Tête. 0 degré. Ok. Là, j'ai mon arbre en position. Par là. Une clavette. Aussi. On met la deuxième clavette. En plus, on va la mettre comme ça.
insère l'écrou. Et maintenant, on va pouvoir mettre le support de maintien de mon arbre. Petit coup de graisse. Là, on va se tenir. Alors, là, je vais sortir mes arbres. Et voilà. Ça c'est la première étape. La deuxième, je vais monter le diviseur sur la table. Petit truc léger là. Je vais le prendre sur les pieds. Voilà. Alors je fixe là mon toc sur mon arbre. Voilà, donc mon diviseur est mis sur la table avec sa pointe là en face là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Le guide en fait. J'ai éliminé mes tasseaux, mais juste pour laisser celui-là. Allez, coquin. Est-ce que j'ai la place? Juste pas. Il faut que je pousse mon étau.
Alors, ce que je vais faire, je vais vous rapprocher un petit peu, comme ça, ce sera mieux pour voir. Alors, là, j'ai mon engrenage qui a été fixé sur la pièce fabriquée ici, qui va permettre de le maintenir. J'ai ma pointe diviseuse là. Hein, donc, on va venir fixer le toc qui va venir se prendre ici. Les deux pointes sont exactement sur le même niveau, ça a déjà été pré-réglé. C'est un petit jeu pour le débattre. Là. Bon. Serré. Ce qui veut dire qu'en fait, une fois que tout ceci est serré, je pourrais redémonter si je dois prendre une mesure ou autre. Il va retrouver exactement sa même place. Ce qui est important, bien sûr, quand on taille des dents. Alors là, je le serre en place. Blocage. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, il va falloir venir positionner la fraise exactement à l'axe de l'engrenage. Donc pour ça, je dois venir m'appuyer. Enfin, j'ai une petite technique à moi qui me permet de me retrouver exactement à l'axe. Donc je vais me prépointer et je vous montre ça ensuite.